Salut à tous, Aquatex, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien la team. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu GTA 5 Online pour vous présenter un petit glitch d'argent en solo la team. Du coup, avant de commencer ce petit glitch, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ma chaîne au maximum, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Melos. Sa chaîne est en description, il fait du très bon contenu, ainsi que de rejoindre le Discord et le crew, tout simplement la team. Une fois ceci dit, revenons tout simplement au petit glitch. Du coup, la team, pour ce glitch, il va juste vous falloir l'atelier d'arène. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, l'atelier d'arène, il se trouve tout simplement sur le site Arena War. Du coup, vous allez acheter l'atelier d'arène. Une fois ceci fait, il va aussi vous falloir le RC Bandito la team, qu'il soit modé ou pas, peu importe. Du coup, vous allez le trouver sur le site Souten San Andreas, tout simplement. Une fois avoir acheté cela, vous allez tout simplement avoir besoin de la Elegy RH8 à 0$ sur le site Legendary Motorsport. Pour l'avoir à 0$, il va falloir rejoindre un crew, tout simplement la team. Du coup, il va falloir être en session sur invitation avec un mode de visée libre pour pouvoir rejoindre une personne en mode de visée différent de vous. Ensuite, il va falloir marquer votre point d'apparition, apparition aléatoire. Très important pour réussir le glitch. Une fois ceci préparé, vous êtes prêt pour le glitch. Du coup, let's go, c'est parti la team! Allez, hop, une fois prêt comme moi la team. Vous allez tout simplement vous diriger vers votre RC Bandito. Vous allez faire flèche de droite. Ensuite, vous allez sur carrosserie. Vous allez faire une petite manipulation. Du coup, vous allez faire PS. Vous allez sur paramètres. Ensuite, vous allez sur réseau. Vous allez tout simplement décocher la case réseau et recocher ensuite. Vous allez revenir dans le jeu. Vous allez avoir ce message. Vous allez accepter ce message d'alerte. Ensuite, vous allez avoir une déconnexion de la session. Une fois en mode histoire, vous allez faire options. Ensuite, vous allez dans en ligne. Vous allez sur jouer à GTA Online. Vous allez lancer une session sur invitation. Vous allez avoir un chargement accès à GTA Online. Ensuite, vous allez spawn tout simplement en session sur invitation, tout simplement à la team. Du coup, vous allez devoir vous téléporter ou vous rendre tout simplement à votre atelier d'arène. Pour ma part, je vais utiliser la téléportation. Pour cela, il va falloir avoir des activités en bleu sur la map, comme moi la team. Vous allez faire carré sur une activité proche de l'atelier d'arène. Vous allez tout simplement faire une petite manipulation. C'est très simple la team. Vous allez rejoindre une personne en mode de visée différent de vous, comme dans ma communauté Aquatex Team. Vous allez accepter le premier message. Vous allez refuser le second message tout simplement. Vous allez tout simplement spawn tout près de l'atelier d'arène. Vous allez devoir entrer tout simplement au niveau de l'atelier d'arène comme moi la team. Vous allez vous diriger vers votre Elegy RH8. Vous allez faire triangle et monter à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, vous allez faire tout simplement flèche de droite et vous allez avoir le menu de customisation bugué tout simplement au niveau du garage de l'atelier. Vous allez placer votre curseur sur vente. Vous allez cliquer une première fois. Vous allez avoir vendre le véhicule. Voulez-vous vraiment le vendre? Vous allez accepter le message et vous allez patienter dès que vous avez l'écran noir. Vous allez faire double PS. Vous allez rejoindre une personne en mode de visée différent de vous, comme dans ma communauté Aquatex Team. Vous allez avoir ce message d'alerte. Vous allez accepter ce premier message, refuser le second. Ensuite, vous allez spawn ici la team. Vous allez faire tout simplement flèche de droite pour accéder à l'atelier de customisation de l'arène. Du coup, on aura une cinématique. Ensuite, on va spawn tout simplement juste ici. On va tout simplement cliquer sur transformation de Bénice. Vous allez voir, pour ma part, elle est en réduction. Vous allez faire rond la team. Vous allez faire rond et quitter tout simplement. Et vous allez voir que boum, en haut à droite, j'aurai gagné 600 000 $ tout simplement. Du coup, c'est parce que la transformation de chez Bénice est en réduction tout simplement la team. Si elle n'est pas en réduction, vous allez gagner plus de 900 000 $ tout simplement la team. C'est énorme tout simplement. Du coup, c'est le meilleur glitch d'argent tout simplement en solo la team. N'hésitez pas à aller en profiter au maximum la team. Sur ce, j'espère que ma petite vidéo de glitch d'argent vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner tout simplement la team, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Aquatex. Allez, go la team, à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.